militaires, la raide d'honneur militaire pour recevoir les honneurs militaires et commencer comme ça la visite au palais. Je crois que c'est bien cela. C'est la voiture présidentielle qui amène au palais le chef d'État rwandais Paul Kagame. On va donc suivre si l'accueil va commencer donc par les honneurs militaires, c'est classique, et au bout desquels le chef de l'État au pied de la marina va accueillir son hôte rwandais. On va voir sans doute sortir d'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre, le président Paul Kagame en visite de travail au Bénin. Le président rwandais Paul Kagame, qui vient de recevoir les honneurs militaires à son arrivée à la Marina, une visite qui intervient quelques années après la visite que lui a rendue Patrice Talon, juste après son élection, échange de bons procédés, retour d'ascenseur sans doute, mais également derrière un agenda assez achalandé de coopération dont ils vont discuter les deux hommes d'État autour d'une séance qui sera élargie juste après aux délégations ministérielles à la Marina. Patrice Talon qui vient à la rencontre, accolade chaleureuse entre deux hommes qui visiblement s'estiment et qui le témoignent à l'image. Patrice Talon qui va avoir donc dans un instant un tête-à-tête avec son homologue rwandais.
avant de pouvoir élargir les discussions autour de l'agenda retenu pour cette visite d'État aux différentes délégations. Paul Kagame qui est reçu ainsi à la Marina pendant que son épouse, qui l'a précédé hier, était également accueillie par la Première Dame qui est au bon soin depuis hier de la Première Dame du Rwanda avec des visites sur des réalisations sociales chères à ces deux Premières Dames. Une photo pour immortaliser le moment avant de s'engouffrer dans la salle d'audience présidentielle pour le tête-à-tête. C'est la rencontre entre deux stratèges qui prennent à la tête de leurs deux États des positions totalement décomplexées d'une Afrique qui veut s'émanciper, qui veut sortir des oripeaux, des arcanes, des vieilles relations traditionnelles, relations coloniales, notamment avec la France, avec des prises de position totalement directes, franches, sans langue de bois. Patrice Talon qui... devant Macron, ici, justement, à la Marina, indiquait que le Bénin, pour faire face à ces questions sécuritaires, avait besoin de la France, mais pas en main tendue, mais juste comme partenaire digne qui a ses moyens pour se doter, justement, des arsenaux utiles à la répression de la menace djihadiste. Et puis, Paul Kagame, également, face à la France, qui n'hésitait pas, justement, à rompre des relations diplomatiques avec la France, pour affirmer une certaine dignité lorsque des enquêtes avaient été diligentées par les instances judiciaires de la France pour incriminer, pour pointer la responsabilité de son parti dans le drame rwandais dont le déclencheur a été l'assassinat du président Juvénal Habyarimana. En 1994. Eh bien, ce sont deux chefs d'État qui affichent et affirment des positions totalement décomplexées, assez quand même courageuses. Chers invités, je l'indiquais au Dilon, on analysait un peu les mécanismes, éventuellement la stratégie de coopération militaire, mais on marque un instant sur la personnalité de ces deux hommes d'État. Je l'indiquais, c'est la rencontre de deux stratèges. L'un, un ancien stratège militaire, il reste dans l'âme. Et puis l'autre, un capitaine d'industrie, stratège aussi, qui convoque ses talents de success story à la tête de sa réussite, au bout de sa réussite entrepreneuriale, à la tête de l'État. Pour...